Tout commence en cinquième, en traînant avec des amis. On me montre de la pornographie. Et rapidement, pour moi, c'est le début de l'enfer. À ce moment-là, je perds toute confiance en moi. Je réalise, voilà, à ce moment-là, je suis en troisième, je réalise qu'en fait, je n'ai plus de volonté, je n'ai plus de dignité, et je n'ai plus confiance en moi. En fait, je suis plus rien. Je suis détruit. Mon corps, mon cœur, tout n'est que champ de ruines dans ma vie. Et donc là, on commence un parcours qui s'appelle Libre pour aimer, et c'est le début de la guérison. C'est le début de la fin, en fait. Je vois le bout du tunnel qui, pour moi, en fait, il y avait... C'était sans fin. J'étais tombé dans un trou et plus jamais il n'y aurait de sortie. Et là, il y a une porte de sortie et je renais, en fait. Et je sors de cette addiction.